Bonjour à tous. Voilà, comme vous le pouvez le constater, enfin, nous y sommes, dans cette fameuse herzotoise. Après plus de 2 années de travaux, de longues péripéties, eh bien, nous allons pouvoir intégrer de manière très sereine ce bâtiment qui va nous permettre de réaliser un accueil digne pour le citoyen bénéficiaire, mais également permettre à chaque collaborateur de pouvoir s'épanouir sur le plan professionnel. En 2022, ce sera encore et toujours une année de défis, une année de projets, tant à maintenir qu'à développer. En 2022, c'est également l'année de l'évaluation du PST. PST qui, certes, a été malmené par la crise sanitaire, mais qui, finalement, est quand même parvenu à développer de belles opportunités, à développer de beaux projets et à développer de belles stratégies. Enfin, il me tient à cœur à vous rappeler les principes de bonne gouvernance qui doivent nécessairement être combinés à une bienveillance transversale, et ce, au bénéfice de chaque collaborateur. Effectivement, nous y sommes. Nous allons pouvoir prendre possession de ces lieux tout neufs et à même à accueillir à la fois nos collaborateurs pour travailler dans des dignes conditions, mais surtout accueillir, effectivement, comme le rappelait notre DG, les bénéficiaires qui sont en difficulté. 22, mais quid des années suivantes. Donc c'est pour ça que cette année, au budget, à l'extraordinaire, nous avons eu cette volonté de faire inscrire des budgets pour des études, pour la réalisation et la réhabilitation surtout de nos bâtiments inoccupés. Je vais également souligner aussi la belle progression du taux de réinsertion socio-professionnelle. En effet, notre service s'est vu renforcé par un pôle éducatif qui vient en complémentarité à son travail et en soutien. Cela fonctionne, la preuve en est, le nombre de travailleurs en réinsertion n'a eu de cesse que d'augmenter. Et effectivement, l'impact se fait ressentir sur le nombre de risques qui, lui, est en une belle diminution, hein, passant de 300 à 240. Je vais évoquer également le service taxi social, pour qui l'offre a été augmentée, toujours dans le cadre du service à la personne, et qui a, d'ailleurs dans le cadre de la crise que nous avons connue, a permis aussi le transport vers la vaccination. Bref, oser vouloir pouvoir, le leitmotiv, nous l'appliquons, ça fonctionne, continuons. Pour conclure, très bonne, heureuse année à toutes et tous. Également, et surtout, petite information, fin janvier, vous ne trompez pas d'adresse, c'est ici qu'il faut venir. 2022, ben voilà, nous sommes déjà à mi-législature. Alors cette année, encore plus que les années précédentes, beaucoup de beaux et grands projets nous attendent, de grands défis. Alors certains sont déjà sur les rails, d'autres vont poursuivre leur exécution. Nous aurons également, comme l'a dit mon collègue DG du CPS, l'évaluation du programme stratégique transversal. Ce sera l'occasion de jeter un œil dans le rétroviseur, de peut-être réadapter certaines choses. Et au niveau des ressources humaines également, le projet de coaching des responsables de service qui prendra effet ici lors du premier semestre 2022 et les évaluations des agents qui vont se poursuivre, agents et responsables de service. Alors comme vous le savez, le budget 2022 vient d'être voté au niveau du Conseil communal du mois de décembre. Les ambitions politiques sont de taille. Pour les mettre en œuvre, nous devrons de coordonner nos moyens humains, coordonner nos moyens budgétaires, et tout ça sur fond de gestion parcimonieuse et efficiente. Mais je pense pour ma part que nous y arriverons, car c'est dans notre ADN, je n'ai même aucun doute là-dessus. Par contre, la difficulté cette année résidera essentiellement dans ce que la crise sanitaire nous aura laissé comme héritage. Elle nous a laissé comme héritage du découragement, des clivages, du repli sur soi, de l'égoïsme. Alors en 2022, plus que les autres années encore, nous devrons faire preuve de résilience, nous devrons faire preuve d'optimisme, d'enthousiasme et de positivisme. Alors, je dirais que pour prendre pleinement à bras le corps ce défi de résilience, nous devons prendre conscience, chacun à notre niveau, qu'en tant que service public, en tant qu'agent du service public, nous avons le pouvoir de changer la vie des autres. Oui, nous avons ce pouvoir-là. Alors c'est un cadeau magnifique, mais c'est aussi une responsabilité énorme. C'est, je dirais, l'essence même de notre travail quotidien. Et chaque jour, nous devons nous en rappeler. Nous avons le pouvoir de changer la vie des autres.
Alors, comme le dit l'amiral William McRaven, apparemment l'amiral le plus connu aux États-Unis et le plus décoré de l'US Navy, il y a des principes de vie qui peuvent nous guider et nous aider à changer le monde afin de le rendre meilleur. Alors, j'en ai retenu un. Je voulais vous le partager aujourd'hui. Je terminerai d'ailleurs par la lecture d'un petit extrait de son livre en guise de souhait pour cette nouvelle année qui commence. Et au passage, je remercie ma fille chérie Léa qui m'a offert ce beau livre comme cadeau de Noël. Hashtag je t'aime. Voilà, donc le petit extrait. Plusieurs fois au cours de mes années de service dans les forces spéciales d'intervention, j'ai eu des revers et à chaque fois, quelqu'un est venu m'aider. Quelqu'un a cru en moi, quelqu'un a vu mon potentiel alors même que personne d'autre ne le voyait. Quelqu'un a risqué sa réputation pour me faire avancer. Je me souviens de chacun d'entre eux. Je sais que tout ce que j'ai réussi à faire dans la vie, c'est grâce à ceux qui m'ont aidé. Personne n'est à l'abri des tragédies de vie. De même qu'il fallait toute une équipe pour porter ce canot pneumatique à l'entraînement, nous avons besoin d'aide, de la bienveillance des autres pour traverser les épreuves de la vie. Vous ne pouvez pas manœuvrer un bateau tout seul. Trouvez quelqu'un avec qui partager votre vie. Faites-vous autant d'amis que possible. N'oubliez jamais que vos succès dépendent des autres. Si tu veux changer le monde, trouve quelqu'un pour t'aider à ramer. Bonne année à tous. Très chers collaborateurs, nous voici malheureusement pour la deuxième année pour une séance de vœux qu'on fait habituellement à l'arrêt 59 en visioconférence. Vous à travers l'écran et moi face à l'objectif. Alors, ça a été compliqué, mais je voudrais vous remercier parce que je sais que c'est pas facile. Il faut d'abord, humainement parlant, faire face à ce virus et puis professionnellement, évidemment, pallier à des décisions qui se prennent à tous les niveaux de pouvoir, tout en garantissant le service public et le service citoyen, voire même en les rassurant. Donc, encore une fois, pour tout ce que vous avez fait en 2020 et en 2021, un grand merci. Si je suis ici, au 37 rue Albert, dans un espace qui n'est pas encore aménagé, qui n'est pas encore construit, eh bien c'est parce que l'avenir, 2022 et le reste, nous le bâtirons ensemble. Vous savez, il y a des défis, il y a évidemment des défis au sein même de l'administration, de la coordination, de l'urbanisme, de la mobilité, des festivités, de l'organisation. Et donc c'est ensemble, et c'est vraiment ensemble que nous pourrons évidemment relever tous ces défis. Pas seulement, il y a aussi une pratique, la pratique de pouvoir s'exprimer, de dire les choses, de collaborer avec les services, avec les intervenants extérieurs et aussi d'y croire, d'avoir l'envie de faire confiance à l'autre, d'avoir cette envie de vouloir participer à façonner une ville et à faire en sorte de répondre aux besoins de nos concitoyens. Et donc c'est aussi en communiquant, en se parlant et parfois aussi même en devant se remettre en question que nous pouvons façonner un avenir pour les autres. Et donc je vous invite et je nous invite évidemment à parler, à continuer à parler, à s'exprimer et à échanger sur nos différentes méthodes et surtout garder l'espoir de jours meilleurs. Permettez-moi aussi de remercier l'ensemble des équipes du CPS, de la police, de la zone de secours pour avoir contribué, participé avec vous, avec nous, à travailler durant ces deux années difficiles et de préparer l'avenir. Et pour terminer, je m'associe bien évidemment à l'ensemble du collège, que je remercie par ailleurs pour leur confiance, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022.